Ce résumé vous est proposé par Nissan. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Toloi, très bonne passe. Pessina. Pessina qui lève la tête, qui trouve Papou Gomez sur la gauche. On est à 2 contre 1 là sur ce flanc. Gomez qui rentre. Oh, la passe intéressante. Zapata, la remise, la frappe à côté. Belle infiltration là aussi. Martin de Roon qui est arrivé de la deuxième ligne. La remise de Zapata est intelligente, mais je pense qu'elle manque un petit peu de précision pour permettre à Martin de Roon de reprendre ça correctement. Bon, Papou Gomez qui va chercher le couloir. Pessina, 2 contre 2. On se replie rapidement pour l'Ajax. Tadic est là en défense. Pessina, il est passé. Matteo Pessina, c'est bien joué. Pessina, le centre, le ballon dévié. Hors du but par Lisandro Martinez, bien placé une fois encore. Le petit pont, s'il vous plaît, de Matteo Pessina qui cherche le centre. Zapata avait un petit temps de retard. Sans cela, ça eût été un petit peu plus dangereux. Mauvaise passe. Jim City, oh là là, ça c'est un cadeau pour l'Ajax avec la talonnade, une poussée, une charge fautive estimée par Huntelaar qui s'est laissé tomber, pas de faute, dit Monsieur Del Cerro Grande. Et on va prendre le temps, j'imagine, de réanalyser tout ça. Il dit directement, il n'y a rien du tout, mais quand même un contact qui venait dans le dos de Klaas-Jan Huntelaar. Ouais, franchement, excusez-moi, hein, mais... Freuler, il y a une charge qui me semble fautive. Moi, je l'aurais donné ce penalty. Et l'arbitre était sûr de son fait. Je suis désolé, hein, mais on ne leur propose là, cette action-là. Je suis absolument pas d'accord avec l'arbitre. Une si promesse, Davy Klaassen. Ouais, fautif sur Zapata. Non, rien du tout, dit l'arbitre là aussi de manière assez véhémente. Tadic. Promesse dans l'axe. Oh, ça combine bien. Davy Klaassen, l'arrêt de Golini. C'est pas fini, Skurs maintenant. Ce n'est pas cadré. Ça file dehors. Mais quelle possibilité pour l'Ajax. Et quel arrêt aussi de la part de Pierluigi Golini. Premier ballon pour Luis Muriel. Papou Gomez. Oula. Et carte jaune, c'est la deuxième pour Gravenberch. Il a déjà pris la jaune en première mi-temps. Il est dehors. L'Ajax qui va terminer à 10. Ça ne va pas faciliter les choses, évidemment, pour les hommes de Ten Hag. Mais c'est sévère, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est volontaire. J'aimerais revoir l'action au ralenti avant de juger... totalement la décision de Monsieur Del Cerro Grande, mais j'ai l'impression que c'est un geste dans son mouvement et je ne suis pas tout à fait certain que cette petite manchette elle est volontaire. Muriel, son équipe a très bien géré la rencontre, aurait pu aussi prendre l'avantage à l'une ou l'autre reprise. Freuler, j'ai l'impression de la part de Muriel qui est parti pour l'ouverture du score. Muriel, ses buts, mais je pense qu'il est hors jeu. J'ai l'impression qu'il était hors-jeu, moi, Luis Muriel. Il n'y a pas de drapeau levé pour l'instant. Ça veut donc dire que l'assistant ne signale rien. Mais l'Atalanta passe devant. Et alors qu'il reste moins de 10 minutes, ça c'est vraiment le coup de massue pour l'Ajax.
On va voir ça dans quelques instants et voir si effectivement, ben non, il n'y a pas du tout hors jeu. Le timing de la passe de Freuler est parfait. C'est 0-1, les Italiens prennent l'avantage. Et là maintenant, eh bien, l'Ajax n'a plus le choix. Ce résumé vous a été proposé par Nissan. Et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.